Et bonjour à tous, on se voit. Bonjour à tous, bienvenue pour ce match entre Jules, ici présent, la star de nos soirées mousse, la star de Chess24 FR, la Ouais. star de Chess24 tout court. Voilà, et Karine Grigorian, donc un match assez équilibré sur le papier avec. Ouais. Vous avez le même élo? Exactement le même élo. Vous avez le Bon, même âge? là j'en ai perdu 10 en Espagne, mais sinon l'élo publié sur la feed, on a le même. D'accord. Mais c'est vrai qu'il joue des tournois en Espagne souvent. Ouais, Il est beaucoup en Espagne. il fait le circuit catalan Ouais. souvent. Et pas très connu en fait. Il a Non. eu un pic, je crois qu'il a Mais été. ouais, Il a mais en été fait, champion du monde jeune, non? Ou quelque chose comme je crois ça. qu'il était fort jeune, et puis surtout, je crois qu'il a eu un pic où il est peut-être 26-20 il y a 2 ans, et il a redescendu à 25, je l'avais vu à 25-40, je crois, il y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois. Donc là, peut-être qu'il s'est remis à travailler ou quelque chose parce qu'il est remonté, donc D'accord, une pose mieux. préparation spéciale pour le. J'ai blitzé un peu là les 2 derniers jours, hein, je me suis remis. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur Internet, donc D'accord. Donc on j'ai a rejoint vu un peu. avec Alireza hier, on t'a un Ouais, peu. ouais. Bon, pas facile, hein. Alireza, c'est pas un client facile. Non. On l'a vu à l'œuvre hier, très bon. On rappelle que t'es double champion de France de Blitz en titre Ouais. et le sparring partner de MVL quand il veut s'entraîner pour des grands tournois. Pardon. Donc et que t'as un téléphone à disposition Après, et bon, donc. ma bonne excuse, c'est que la notification, c'est Chess24FR. C'est Chess24FR. Ah, ben Ah. ça tombe bien alors, super. Voilà. Ah, t'es abonné donc du Bien coup à notre sûr, chaîne bien Twitch. sûr. Donc faites comme Jules Moussard et abonnez-vous à tout Tout était prévu, hein. Twitch, On a tout mis en scène. YouTube, Facebook. T'es abonné surtout Instagram et Surtout, Twitter. tout. Magnifique. Donc c'est 20h28, tout est en place. Alors dites-nous dans le chat. Bonsoir qui dit 87 dans le chat. On a même temps de discuter avec le chat, t'imagines? On n'a jamais été en avant, autant en avance de toute notre vie. Let's go, Chess Didou, il dit. Super. Ok, voilà, on est là, donc tout le monde nous entend bien. Je vais évidemment disparaître. Alors, le score, je t'ai pas Ah montré. oui, comment on fait? Tu fais clic droit. Ah bon, ça va, ça peut l'air. Hop. Ok. Et voilà. Voilà. Et Ok, hop. ok. Et c'est terminé. Ok. Et donc ça, c'est pour lui. C'est son score à lui, le D'accord. score à Donc lui, j'espère que je vais pas Trubio. trop cliquer là. Ouais. Et pour toi. Ouais, Allez, on bon, fait un petit ça. test, vas-y. Donc ce qu'il faut, c'est ça pour gagner le match. Voilà, c'est ça. Vas-y, mets-le. 8,5 à Et là, je 0. clique à côté? Vas-y, vas-y, ouais, clique où tu veux. Ok. 8,5 à 0, ça serait bien, mais c'est pas possible, c'est pas légal. Alors, tu as très bien fait. Si je fais ça. Ah non, faut mettre 0. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est Ouais. que je vais dans l'autre chat, je vais te laisser le défier. Voilà, il est là, tu sais où il est, hein. Il est connecté? C'est bon? Il Ouais, est c'est prêt? bon, normalement, c'est bon. Tu vas. Le défier. Et je vais te souhaiter bonne chance. Je vais t'essayer de te remettre au milieu. Et te laisser Oui, ça te fait bizarre concentrer. de pas être là pour une soirée mousse. Alors on peut D'être faire tout un main seul. cerveau. On peut faire un C'est main cerveau. ce que je pensais. Je Allez, bonne voulais faire chance. un main cerveau tout seul. Mais du coup, ça fait pas trop de sens. Bon, voilà. Alors F4, hein, la base. C'est mon ouverture préférée en ce moment. Toc. Ah, il veut jouer avec Dame B6, peut-être des Dame B6 échecs. Bon, là, comme d'hab, on essaie de pousser E4. Je peux pas trop le pousser maintenant. Je vais essayer de préparer Dame E1. C'était peut-être pas hyper malin parce que là je vais me prendre du cavalier C5 sur E4. Ok, on va éviter les embrouilles avec Dame B6. Je prépare doucement E4. J'ai pas très bien négocié mon ouverture hein, pour l'instant, pas terrible. Surtout que je joue vite, faut que j'arrête de me prendre la tête. Hein. Je joue comme je joue normalement. Vite et mal. Ah, il joue bien là. Je sais pas du tout ce qu'il vaut sur internet. Cavalier G4, je vais juste faire Dame G1, c'est pas très joli, mais je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Après, peut-être qu'il y a des 4, mettre un cavalier en F5 ou alors pousser E4, essayer de me libérer.
Allez, c'est le moment. Sur fou C5, j'ai D4 qui bloque. Ou cavalier D4. Prendre de la tour. Tour D4, c'est intéressant. Peut-être dame D4. C'est de chercher les complications, les embrouilles avec fou. Je mets une pression sur G4. Je le pine. Dame D5, cavalier F6, tour prend 8. Alors je prends 8 tout de suite. Si je prends 8 et ça, c'est pas terrible hein, ce que je fais. Hein. C'est pas la joie. Je peux pas revenir en G1 quand même. Bon, allez. Tout bronzé. Bah, je reviens de Barcelone. Il faisait un peu plus beau qu'ici. B5, j'ai Dame D5. Faudrait espérer. J'imagine qu'il va me jouer un petit coup de tour 8. Peut-être jouer fou F4, je sais pas échanger. Ah non, je peux pas, il y a cavalier E3. J'aime pas du tout ma position. Qu'est-ce qu'il a vu hein? Est-ce que j'attaque H5 et E8? A8? Corporate, la double attaque. Bon, c'était pas une très belle première partie, mais j'ai eu de la chance. Quel bouquet! Donc là, il doit être tout en train de mettre le score. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais pas si j'ai cliqué sur revanche. Petit jingle. C'est mes yeux ou quoi? Je sais pas si j'ai mis le mot. Attendez, je mets les écouteurs. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais. Ouais, c'était mes yeux. Là, c'était pas mes yeux pour le coup. Je crois qu'il est un peu. Je sais pas ce qu'il fait là. Allô? C'est fort. Comment je fais pour baisser le son? Il suffit pas de baisser le son des haut-parleurs. Bon allez, Mardaker, go go. J'aime bien quand ça s'enchaîne, pas perdre le rythme. Peut-être qu'il a cru que c'était. Ouais, Rashkit à 1-0, ouais. Peut-être qu'il a cru que c'était un best of one. Ouais, il pense que c'est du BO1. Bon, bah écoutez, moi je prends le match hein, si ça s'arrête là. Bon, j'attends Frozigoul là. Je suis déçu qu'il soit pas déjà là. Le petit Frozy. Vas-y, encore pour le challenge, mais je peux pas cliquer sur Revenge. Attends, je vais le chercher ici. Je suis en train de le challenge manuellement. D'accord, super. Ah merde, non, non, non. Nettoie les noirs. Faut que j'annule. 3 minutes et les noirs. Ok. C'est bon, il a accepté. Ah mais ça compte pour le classement. La vache. J'avais prévu de jouer une Scandinave. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais c'est pas une ouverture qui me colle. Qui colle bien à mon style, mais pourquoi pas. Doit pas être mauvais. Voilà. J'aime déjà pas ma position. Comment on joue ça? H6, H6, G5. Ça a l'air un peu faiblard. Cavalier là. Ça, je perds pas de pièces. Non, ça va. Je crois qu'il va falloir que je le. Il a l'air de connaître quand même. Il joue bien vite. Là, faut que je m'en sorte par G5, je crois. Pas trop le choix. J'attaque C4 et D4, je sais pas ce que ça vaut. Là, je sais pas si je peux prendre le pion.
Ok, B5, dame C5, tour D1, dame C5. Je crois que je vais le prendre parce que au moins là je sais pourquoi ce qu'il faut que je fasse. Sinon, de toute façon, j'avais une position très douteuse. Ça. Est-ce que je jouerais pas C6 pour jouer K et D5 sur A5, K et D5? Tour D1, dame C5 toujours. Il a pas de fou D6. K et D3, dame E7. Ça va. A5, K et D5. Si je peux garder mon pion, mais essayer de bloquer la position, ça va aller. A6, ça me fait pas trop peur. Prise, je prendrai du pion E pour libérer le fou. Dame là, je vais juste jouer ça, C4. C'est son idée. Si je fais dame B4, C4, cavalier F4. Si je prends A5, C4, cavalier B6. Et C4, dame D8. Allez, je prends le deuxième. C'est peut-être un peu gourmand, mais. Là, je voulais aller en B6. Sur K et C3, dame B4. Sur K prend B6, dame prend. Là, ça fait deux pions, donc. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas trop d'attaque. Sur le roi, en tout cas, pour l'instant. Je suis bien protégé, là, avec les deux pièces. Le problème, c'est que je suis pas du tout développé, là, fou si vite. Laurent qui serait pas content. Je vais essayer d'échanger les dames pour lui. Sur ça, je prends. Et puis, je vais mettre ma dame en B6. Attaquer B2. J'attaque tous ses pions. C'est là. Allez, on échange un peu plus. J'imagine tour D1. Tour 1, pardon. Ça, je voulais prendre. Oula. C'est pas bon, ça. Dame B5, fou D3, je perds la dame. Qu'est-ce que je fais? Je crois qu'il avait un coup fort là. Ah mais en fait, ouais, je suis obligé de jouer ça. Il y a K et B6. Va falloir que je joue mieux là, parce que c'est pas du tout. C'est pas beau ce que je fais. Comment je fais pour pas perdre là? Pour pas perdre tout de suite. Fou G4. Fou G4, F3, dame E6. S'il prend, je prends. J'ai tour E8 à la fin avec le mat du couloir. Sur ça, je fais dame E6. Va falloir que je l'embrouille. Hein. K et B6. Ah, là, je prends là. J'ai embrouillé, non? Ça ressemble à une embrouille. Cavalier E4. On va jouer le mat. Mais il y a. Qu'est-ce que je fais? Il y a B5. Oh, qu'est-ce que je joue mal? C'est du grand n'importe quoi, là. Du coup là je pense que je vais juste être gagnant. Mais c'est pas mérité. Je sens que ça. Ah mais faut que je joue vite en fait. J'oublie complètement le temps. D7, je vois pas trop comment je finis encore. Ça je vais faire tour prend, y a rien. Fou prend roi G7. J'y fous D4 après. Dame F3, dame H2, c'est mat. C'est mat en D3. Ça joue pas bien. C'est dur, hein? Cet exercice. Il a accepté, mais il faut juste que je change le score. Bon, F4 ça m'a pas plu, je vais jouer plus solide. Mais il joue vite, mais il rate des grosses occasions quand même. Je pense que j'étais foutu au moins 10 fois. Alors ça, comment on joue? On va jouer ça. Je crois que je vais jouer B3, je vais mettre le fou 1-3 cavalier à 4 tours C1. Petit plan. Petit plan sympa. Si je prends cavalier E4, cavalier prend, fou prend 1, quai D6. J'ai pas assez, mais c'est pas, ça me tente sur fou A3. Dame A5, cavalier A4, fou A3, pion prend, fou prend F8. Fou A3, quai D7, peut-être son idée.
Bon, moi je vais jouer fou à 3, on va voir. C'était donc ça son idée. Là sur cavalier B5, E5, j'ai cavalier C7. Ok, j'y vais. Cavalier E4 peut-être. Cavalier E4. Cavalier E4, tour C1, au pire, dame B4. Dame B4. Comment je fais là pour négocier? C'est pas idéal ça. Hein. Parce que là, le problème sur cavalier prend D4, c'est qu'il y a C3 et fou prend D4. Et la fourchette en E2. J'aime pas trop la position que j'ai eue en fait. Ça doit être théorique son idée de C5 là. Ok, bon, je vais prendre et jouer E4. Sur E5, j'ai. Sur D4, j'ai E5. Ok, pas terrible. Fou prend, je vais jouer tour D1. Faudrait surtout que je l'empêche de. Ouais, faudrait pas qu'il prenne comme ça. Bon, là. Là, je dois pas être moins bien. Objectivement, je dois pas être moins bien. Ça, et sur fou G5, je suis prêt à jouer dame prend C3. Ou même, je peux jouer F4, mais je voulais pas trop m'affaiblir. Je crois que jouer dame prend C3, là, ce serait pas une mauvaise idée. Tour prend C3 et simplifier, ce serait pas une mauvaise idée. En plus, j'aurais peut-être des petites chances parce que j'ai le pion passé. Alors, dame là, je peux prendre A7, mais. Est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre A7? Bon, ouais, je prends tous les pions. Dans ce match, je prends tous les pions. Bon, allez, je reviens. Essayer de jouer tour C2, tour D3, consolider un max. Fou G5, j'ai dame prend C3 là. Je vais jouer H4 sans réfléchir, je sais pas si c'est une bonne idée. Il aura peut-être du fou prend à venir. Ou un coup comme ça. Là, il peut toujours pas prendre. Je vais jouer ça. Avec l'idée de prendre en C3. Là, je pouvais pas, il y avait dame prend D1. Là, fou prend H4, j'ai tour D4. Ah, il a fou G5, tour prend prise. Ouais. Mais je vais quand même jouer. Ah, je peux jouer dame G4 aussi. Dame G4 qui doit gagner facile. Je joue dame G4 plutôt. Parce que j'imagine que cette finale gagne. Il gagne très facilement. Avec les deux pions passés liés. Je vois pas comment il va s'en sortir. Bon, je pousse sans réfléchir. C'est annoncé. J'aurais peut-être dû réfléchir. Tour C6 A6 B5 l'idée. Sur ça, si je fais B5 prise B6. Parce que là, il menace quoi en fait? Est-ce qu'il menace vraiment quelque chose? Non, il menace rien. C2, je fais tour C1. Fou D4, ça j'ai vu. Mais je sais pas pourquoi j'y croyais pas. Je prends un peu des risques là hein, quand même. S'il arrive à pousser ses pions là. A priori, ça devrait aller. J'attaque C3 là, donc par exemple, fou D4, B5. E5, B6 là, c'est le moment de pousser B6. Même là, faut que j'aille. Je suis obligé. J'en peux plus de cette pression. Donc là, il devrait prendre G3. Je ferai tour prend C3. Avec une finale je crois que va devoir aller jouer vite. Ça risque de jouer autant. Surprise, j'ai peut-être tour. Peut-être que ça met plus la pression si je prends. Ah, faut que je pousse. Ah, on n'a pas la dame automatique. Désolé, je parle plus, mais. Je parle plus, je le fais tomber. Et.
On en parle plus. Pas terrible. La partie propre. Bon, j'ai noté qu'il était pas très, hyper rapide à la souris, comme moi. Donc pour les moments où on aura plus de temps, je pense que je suis quand même favori. Même si je suis pas hyper rapide là non plus. Bon, ça fait 3-0, c'est un bon début, un bon start. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de matchs qui avaient commencé fort et ça n'a jamais été simple. Là, si je prends C4 qui est prend E7, prise. Ah, mais si je prends, il peut jouer. Ah, s'il fait B3, dame prend D4, cavalier prend E7. Cavalier prend. Ok, ça pue. Je vais jouer ça. Bien, j'aime pas du tout comment j'ai négocié l'ouverture. Fou G5, fou G5, ça va, cavalier D7. Solide. Ouais. Je vais essayer de jouer A6 et E6. Pas terrible. J'ai l'impression que je me fais un peu avoir dans les ouvertures. Ça se passe pas très bien. Cavalier prend. Bon, ça, en fait, là, je vais jouer dame C7, tour D8, ça va aller. Je commence à avoir une position qui ressemble à quelque chose. A5, ça me fait pas trop peur. Je vais peut-être revenir le cavalier. Je peux jouer dame C5. Dame C5. L'idée peut-être de partir là-bas. Non, mais je vais juste jouer simple. Je vais pas me casser la tête. Là, je pilonne un peu sur la colonne B. Ça peut être utile. S'il prend comme ça, je prends la dame. Je mets un peu de pression quand même là sur le. Peut-être qu'il y a C5 à venir. Donc, attaque B3. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me donne un. Donc attends, si je prends en C3, je pense qu'il faut que je prenne en C3. Là, si je fais dame prend, c'est quoi? Dame prend D6, il y a C3 qui traîne. Je perds D7, mais je prendrai au minimum C4. Est-ce que j'ai mieux? Est-ce que si je joue tour D8, qu'est-ce qu'il fait avec son cavalier? Parce que j'attaque encore les deux pions. Il fait tour E3, dame prend C4. Je préfère peut-être ça. Je préfère peut-être cette variante. Un peu plus ambitieux. Si la dame revient en D3, j'ai cavalier E5, j'attaque un peu toutes les pièces. Ça sent bon. C5, ça. Bon, bah je prends. Tour C1. Il y a du fou C1. Cavalier F6, dame E5. Pas terrible. Dame prend tour C1. Dame B5. Ouais. Quoi de mieux? Tour C7, je fais dame E5. Petite finale. Ah, tour D1. Prise, prise. Cavalier E5. Je donne la pièce, mais. Ouais. Si je fais cavalier E5, c'est dame. Cavalier E5. Bon, je vais le jouer. Faut que j'accélère là. Je suis un peu lent dans ce match. Là, j'ai pas dame prend A4. Ça marche pas. Tour D1. Fou prend E4. Y a pas une... J'ai l'impression qu'il y a une tactique là. Je sens qu'il devrait y avoir un truc, mais je crois que je vais juste jouer la petite finale. Passer de temps, ça sert à rien de perdre tout son temps. Par contre, ça, je crois que c'est un. Ça sent la blunder pour lui quand même. J'ai du cavalier F3 qui traîne. Peut-être pas. Peut-être pas. Si je prends A4, dame prend E5. Si je fais tour C8. Avec dame D3. Ah, qu'est-ce que je suis lent. C'est pas possible d'être lent comme ça. Bon. Bon bah je sais pas, je vois rien. Je vois rien de clair. C'est sur tour point, mon idée c'est ça, mais...
dû le jouer vite. Je trouve pas de maths en fait. Ah mais ça marche pas du tout, il va en rushant. N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là? Je suis planté dans mes calculs. Hein. Rage 3 échec, ça. H5. Ou dame 2. H5. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il peut aller en G5. Ah, j'ai pas de. Ouais. J'ai pris trop de temps. Bien joué. On va lui mettre un. J'ai mal joué, j'ai dû rater un truc là. J'avais juste un pion de plus. J'étais trop gourmand, j'aurais dû juste échanger les cavaliers. Hein. Il joue double flanqueto, c'est un truc que je veux beaucoup. J'essaie de l'agresser direct. On va jouer. On va jouer sans peur. Ça m'a l'air assez douteux son setup. Sur ces 5, j'ai. Sur ces 5, j'avais cavalier B5. Je vais empêcher fou F5, je sais pas trop si c'était une menace, mais par principe. Sur KC6, là je fais ça. Franchement, je pense qu'il peut prendre. Je vais juste jouer un coup de A3, voir s'il accepte. J'ai du KB5 aussi qui traîne. Hein. Oh là, KB5 là. Il est en train de me dire que c'est pas si grave, mais. Je vais jouer C4. Je vais jouer KD6 et fou E2. Menacer KB prend G5. Alors ça, sans réfléchir. Interdit de réfléchir sur ce coup parce que bah déjà s'il prend H6 fou H8, c'est fou H7 mat. Ça a l'air fort. Ça a l'air d'être une grosse attaque là. Celle-là elle sent bon. Puis on prend H6. Il a G5 en l'air. Ok. Peut-être pas si simple. J'ai pas de fou G8, j'ai sur fou F5. Le problème c'est qu'il attaque là. Je vais peut-être jouer F4. Hein. Peut-être jouer F4. C'est pas limpide, je trouve. Il n'y a pas de. Peut-être pas de. De truc clair. On va aller en F2. S'il prend, j'ai envie de jouer fou H4. Sur D3, je prends juste là. Qu'est-ce que je rate? Je sais pas. Là, ça m'a l'air. Ça m'a l'air fort quand même. Comment ça peut aller ça? Si je fais pion prend, il fait roi H8. Je prends G5. Allez, prends tout. Cavalier E5, je fais dame D4, dame D5. D5 peut-être. Parce que là sur cavalier C6, je vais peut-être avoir G6 quand même à un moment. G6, tour prend G7, ça. Moi je finis. Je vais quand même pas finir par roquer. Puis je pense. Je pense que je vais roquer. Je vais mettre le roi à l'abri, je vais jouer fou G3. J'ai envie de prendre de la dame. Mais j'ai pas fou prend, y'a rien, y'a pas de tactique. C'est fou. Ou alors je rate tout. J'ai l'impression que je rate un peu tout là, aujourd'hui. Bon, par contre, G6, à un moment je vais le mettre. Hein. Là, c'est pas possible.
Là, j'attaque un peu toutes ces pièces. Je vois pas trop comment il défend. Kf7, je vais prendre c6. Tour prend. J'attaque encore toutes les pièces. F7, c'est mat. Ouais, avec un roi comme ça pouvait pas. Ça devait finir par passer. J'ai pas été précis du tout, je pense, mais. 4-1. Scandinave, ça m'a pas trop plu tout à l'heure. Je vais jouer plutôt une Sicilienne. On va voir ce qu'il joue. Ah. Je vais refuser le Gambit. C'est malheur on fire. Je vais filer le fou pour avoir un peu plus de contrôle sur la position. G6 à H3, prise qu'elle prend, ça E5, puis on prend. C'est pas idéal. Si je joue avec E6, c'est bizarre, mais. Bizarre ce que je fais. Dame B3. Lolo. C'est pour toi. C'est moche, c'est hyper moche. J'ai pas le droit de jouer ça quand même. J'ai pas le droit. Suis peut-être un peu près là. Je me rends pas compte. Jules à 1-0-2, non mais vous êtes complètement fou, il joue pas si mal. Il joue très bien. Vous me surestimez complètement. Fou H5. Fou H5, c'est. C'est un peu greedy. Peut-être prendre quand même. C'est fou H5, H3. Je vais devoir prendre. Ah, je vais faire ça en fait. Pour provoquer H3, je prendrai. Comme ça, il aura plus de tour H3 pour mater. C'est peut-être malin, je sais pas. C'est là par exemple le 5, on sait jamais, hein, je me prends un E5. J'ai envie de faire le B5 de Firouzja hier. Il a fait un B5 contre Almira. Assez créatif, c'est la seule partie, c'est la perdu, partie qu'il a perdue d'ailleurs. J'espère que ça va pas être pareil pour moi. L'idée c'est que Dame prend, bah, je fais tour B8, j'attaque B2 et sur fou prend. Ouais, alors sur ça je voulais jouer B4. Profiter du fait qu'il puisse pas prendre. À cause de Ky D4. Force un peu les choses. Je vais jouer ça, je vais jouer à fond le dynamisme. Surprise, évidemment, je prends du cavale. Je vais ramener aussi Ky D7, peut-être maintenant. Ky D7, Ky C5, ça m'a l'air d'être une bonne manœuvre. Wiz Khalifa. C'est une bonne manœuvre, après ça affaiblit vachement mon roi. Par exemple, là, E5, ça commence à être critique. Donc, c'était pas du tout une bonne manœuvre. C'était la pire manœuvre. E5, j'aurais G6 là pour calmer. Fou prend, je comptais jouer ça. Et espérer que je me fasse pas mater. En plus, mon cahier est bien placé pour l'attaque. C'est pas bon ce que je fais. Il prend pas. Ok. Fou H4, ça peut pas le déstabiliser. Il y a Dame G4. On a vu pire comme déstabilisation. Faut que je joue vite. Faut que je joue vite. J'ai pas le choix. Faut que j'arrête de réfléchir à des plombs pour jouer des mauvais coups en plus. F5, E5, c'est hyper moche. Fou G5. Je vais jouer fou G5. Alors, c'est pas beau. Vais me faire mater, mais. Je vais jouer la provoque. Des fois ça passe en blitz, comme ça, laisser volontairement des énormes attaques. A3 c'est un très bon coup. Pas vu. C'est sûrement le coup qui gagne. C'est sûrement le coup qui gagne. Après je peux peut-être le bloquer. Je vais essayer de le bloquer. Alors, je garantis rien. C'est vraiment le blocus de la mort, là. Il y a B4 au minimum. Tour G6, qu'est-ce qui menace? J'ai pas qu'à y prendre. Je vais tenter. Ah, mais je suis mat. Prise, prise. Ok, je reviens. Allez, je reviens. Faut que je joue vite. Je vais accélérer la cadence. Ah, j'ai pas vu ça. Ça sert à rien d'accélérer.
Fini. J'étais trop sur fou prend et tour prend G6. Bon, les ouvertures, c'est une catastrophe. Je me fais éclater dans toutes les ouvertures. Faut vraiment que je sais pas ce que je joue. Je joue pas comme je joue d'habitude. J'ai pas mon jeu naturel. Là. Faut que je lâche mes coups. C'est pas du tout. C'est pas du tout bon ce que je fais. Là, je crois qu'il a voulu la jouer à la bullet mode. Je laisse D4. Bon. C'est peut-être pas terrible de jouer ça. Je vais jouer ça. Allez. B4 c'est peut-être un peu tôt. Fou F5 est chiant. Je vais peut-être mettre ça là. Le tour B1. Pas terrible. La première mi-temps de quoi? Ah, elle de foot. C'est la France. Là il fait juste B6, je vois, je sais pas ce que je fais en fait. Je vais me prendre une attaque. Je vais me prendre une attaque dévastatrice. Je vais être dévasté. Ouais. Faut que je commence à m'organiser un contre-jeu parce que sinon ça va pas le faire. Dit-il en jouant fou 1. Je peux pas jouer fou 1, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais de mes pièces? C'est du jamais vu. Hein. Je vais le faire, hein, si je sais pas quoi faire d'autre. Je vais me prendre du tour prend E3. C'est terrible, hein, je fais n'importe quoi. Je suis pas du tout dedans. Je vais filer le pion. Le pion A. Il va pas le prendre. Ça m'étonnerait. Là, j'essaye de menacer du E4. Ouf, un semblant de quelque chose. Ah, j'espère pas, remontada de Grigorian. Il faut pas. Pardon. Dame A4, j'ai pas dû. Ah, mais c'est pour ça que j'aurais dû aller en H1. Parce que j'avais mon idée de jouer E4. Là, je l'ai plus. Bon. Ok, prend D5, pion prend, tour prend, y'a rien. Cavalier E2. C'est pas terrible, cavalier A2. On va essayer d'aller en B4, attaquer ses pions. Mais je suis lent en plus, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Je me reconnais pas du tout. On va tenter, hein. Je vais me faire mater encore. Hein. Ça va être terrible. Ok, G5 fou 2. On va s'accrocher. À la vie. Ok, B2, dame prend, ça va. Prend D4, fou prend C5. Ça, je vais me faire mater. Je crois que je vais ramener la dame. Pas le choix. Fou prend C4. F3, tour prend. Pion prend, ça va pas. Fou C4, fou D3. Ça va pas. Dame A2. Ouais, je suis obligé. Je suis obligé de revenir en défense. C'est horrible. Et je t'écoute, Freddy. J'enlève un bouton. Je vais péter le bouton. Allez. On va prier. Mes pièces, c'est affreux quand même. Je peux essayer de m'en sortir comme ça, cavalier prend, tour prend, fou F3, j'aurais ça. Ça, c'est un joli coup, je pense. Prends. De toute façon, c'était sûr que j'allais me faire mater. F3, fou prend. Ah, je vais tenter ça. Hein. On n'a pas le choix. Essayer de le triquer. Et obligé. Obligé de jouer les tricks. Je crois qu'il n'y a pas trop de tricks là, mais. J'espère, je prie pour lui placer un cavalier E7 à un moment. Mais j'y crois pas trop. Là, il a fou E4, j'ai absolument rien. Cavalier prend. J'ai même plus de cavalier E7 pour m'en sortir.
Terrible. F2, KF5, G4. E3, ça, G5. Dame là, ça, j'ai ça. Je me prends des trucs que je me prends jamais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? 4-3. Le match est chaud. Bon, au moins, c'est un match serré. Et il y a des maths. Ça joue champagne. Je perds tous mes points en plus. S'il est pas. Il a jamais joué sur le site en fait. Allez, F5. Ouais. On va jouer un peu hollandaise style. Retour aux sources. Encore une fois. C'est pas terrible. Ok, les deux. Bon, là, je suis pas trop préoccupé par le fait qu'ils prennent. Bon, allez, j'envoie la sauce. Il peut prendre en fait, parce que prise fou prend, dame prend, tour là. Fou F5. Bah j'aurai quand même un peu de jeu, on va tester. Bah, je peux prendre du fou aussi peut-être. Ouais, je peux prendre du fou. Qu'est-ce que je dis? Je prends du fou et là j'avais fou F5 pour défendre. Du coup j'ai plutôt une bonne position maintenant. Cavalier D4, je sais pas si je prends. Si je prends. Peut-être c'est. Menace pas de prendre, je vais jouer Dame E6. Est-ce que je peux lui envoyer une pièce quelque part hein? Ou G5. Là, ça donne quand même envie de rentrer dedans. Je crois que je vais jouer simple, je vais jouer la simplicité. Je vais jouer H4, sur G4 je reviendrai, je vais ramener mon cavalier. Est-ce qu'il menace C5? Allez, on va dire que oui. Essayez de jouer vite, plus vite. Plus vite. Échanger sous, après je vais mettre tour F6. Ça, je peux jouer ça, non? Prise, ça va. Là, je peux prendre de la dame. Ou du fou. Prendre du fou. Si je prends du fou, il fait fou C3. Si je prends de la dame, il fait tour D5. Dame F6. Et tour E6 pour défendre. Ouais. Cavalier D2. Cavalier D2, mais est-ce qu'il menace de prendre? Ah, mais il peut jouer. Est-ce qu'il peut jouer? Non, cavalier A3, j'ai juste A6. Il peut pas trop bouger son cavalier. Je vais jouer A6. Peut-être essayer de faire un plan bizarre, mais de ramener le roi en H6 pour défendre G5, libérer madame. Ça, je m'en fous. S'il me pique, c'est pas grave. Je vais ramener le roi en H6. S'il prend, il y a F2. Est-ce qu'il y a encore F2 là? Je vais jouer ça. S'il prend, il y a F2 encore. Cavalier là, dame C3. Faudrait vraiment que je me libère là. Faudrait vraiment que je me libère. Je vais menacer de plus prendre la cale. Ah, il peut jouer KC3. Non. KC3, fou G6, cavalier prend le 4. Je sais pas ce que ça vaut là, je comprends rien. Je vais jouer vite. J'ai le sentiment que ça va pour lui, mais. Peut-être ramener le fou en. Le fou là, surprise, je prends et tour prend F5, j'attaque ça et ça. Dame G4, il a quand même du jeu, hein. Je vais revenir avec le roi. Celui-là, il va menacer du fou F3, ça va pas être bon. Ouais, je vais revenir, mais le problème, c'est que je m'expose à. Peut-être cavalier E4 futur. Ok, ça je perds D6. C'est terrible. J'ai pas une super position, c'est trop dur à jouer ça. Il y a trop de trucs qui traînent partout.
Et les 500. Faudrait que je passe la dame plutôt que je mette. Mais le problème, c'est que mon roi est vraiment faible. Fou D8. Je sais pas trop ce que je fais avec mes pièces, mais je le fais. Peut-être mettre le roi en G7. Je sais pas trop ce qu'il fait non plus. Ça j'ai vu, mais j'y croyais pas. Peut-être jouer ça. Tour H5. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que je fais même? Une lenteur. Abominable. Ah non, mais je voulais pas jouer ça. Je pensais que j'étais là. Merde. Ça va pas. Faut que j'accélère. Hein. Pourquoi je peux pas jouer? Ah, c'est horrible. Je me fais avoir de partout. Je fais n'importe quoi. Il joue bien, il joue vite, franchement je trouve que c'est. Alors je joue. C'est moi qui joue peut-être vraiment mal aujourd'hui. Je m'en suis pris 3 de suite là. C'est le moment de revenir là. C'est le moment de frapper fort. Faut pas le laisser prendre trop l'avantage parce que. Psychologique en tout cas. Quel H3 est-ce que ça joue maintenant? Quel F3. Je mets le cavalier en G5 direct. Moi je joue avec Grand Roque. Est-ce qu'il peut prendre là? Est-ce que je peux pas jouer à 4? A4 B4. Cavalier D5, ça donne quoi? Ou cavalier E2. Cavalier E2 et cavalier F4 peut-être. Ou fou C4, fou prend. Ouais, ça a l'air intéressant ça, en fait. Sur pion prend, je fais fou prend, mais je reprends. Je prends pas la dame tout de suite, ouais, évidemment. Je vais mettre le cavalier en F4, j'aurais pas mal de sacrifices qui traînent. J'attaque B4 en plus. Celle-là, je crois que j'ai bien négocié l'ouverture, pour une fois. Cavalier B6, je vais venir là. Et sur C5. Je crois que ça va pas du tout, je peux prendre au minimum. J'ai A5 aussi. Je menace de prendre F7, je pense. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je joue C3? Puis je prends de la dame? Je lui laisserai C5, cavalier prend. Je suis pas assez compliqué. On va voir. C5, je prends A5, puis on prend cavalier prend A6. Un peu tout en l'air. Là, par contre, je vais finir par prendre quand même, c'est pas possible. Il est hyper confiant en jouant ces trucs. Je me fais bluffer en fait. Je peux prendre ça, c'est peut-être plus safe. Joue petit roc. Je pense qu'il peut pas prendre en E4. Bon allez, j'en ai marre. Là c'est trop là. C'était trop. Ça va faire mal quand même. Hein. Parce que j'ai la prise qui prend en découverte. Je sais même pas s'il va prendre, s'il prend. E5 dame C6, c'est peut-être pas l'idéal. Tour F7, faut prendre D4. Dame G5, prise tour D1. Dame G5, j'aime bien, je sais pas trop pourquoi. Fou prend E4, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être fort. Peut-être. Tour F7, pas possible. Fou prend D4, je pense que je largue en E7 et je joue la finale avec une petite finale, puis en plus.
Cavalier F5. C'est incroyable, il s'accroche comme une bête. Ok, prend, je prends là. Là, je menace de prendre F5. Et il a fou H6. Après, je voulais prendre. Attends, je peux pas prendre. Je peux pas prendre un F5, je peux rien faire. Prise ça. M6, tour F4. Fou D5. J'aurais dû tour prend et dame prend H5, dame prend F5. Je sais pas, je m'autoclou là, c'est pas bon. Tour F6. Était mon idée. Fut mon idée avec dame prend G6 et tour prend F5. Je crois qu'il a raté ça. Fou E6, dame prend. Roi D7, tour prend F5 au minimum. Avec une position complètement gagnante. Parce qu'il pourrait même pas aller en C6 à cause de dame B5 mat. C'était annoncé. Allez, encore 3,5. C'est chaud, hein? Ça joue, il s'accroche bien. Il m'a bien. Il m'a bien provoqué sur celle-là. B4, ça tilt. La même position que tout à l'heure, sauf qu'il a le pion en B4. Bon. Je lui laisse. Je te la laisse, Mercader, Mardaker. B5, D5. On prend, on prend. On prend, on prend. On joue D4, E4. F4, fou F7. Ça va. Ça me fait pas peur. Franchement, ça me fait pas peur. Cavalier B5, cavalier B6. Cavalier A4, c'est peut-être plus chiant. Dame A5. Je sais pas, je vais lancer mon attaque. Je lance mon offensive. Il prend comme ça. Ok. J'étais pas sûr de comment il allait prendre. C'est vrai que ça peut être tentant pour lui, mais. Je pense que je vais. Est-ce que je fais fou C8 pour garder le fou? Je vais faire fou C8, je vais essayer d'attaquer, je vais tout envoyer. Je sais pas trop ce que ça donne cette position. Je pense que objectivement c'est mieux pour les blancs, clairement. Plan dame B3, tour D1. J'ai du fou A6, je peux repartir aussi par là. Peut-être. Au bon moment, peut-être au moment où je joue F4. Là, si je joue F4, il veut faire quoi qu'il y ait C6? Est-ce que j'en suis inquiet? Peut-être que je suis un peu inquiet. Si je fais dame E8, il va où? Si je fais cavalier E5 aussi. J'aime bien cavalier E5. J'aime bien placer le cavalier là, peut-être aller en D3, jouer F4. Là, fou A6, ça peut être tentant, mais je lui laisse la case E6. Allez, j'y vais. Obligé. Ah, sur ça, est-ce que j'ai pas des idées avec tour B7 et tour prend B2? Au bon moment. J'arrive pas à le faire marcher, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des trucs. Faut que j'accélère. Tour D2, peut-être E3. Prise F3. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut faire peur. Alors là, F2. Il a Dame C2 à la fin, pour parer le mat. Dame C2. Cavalier F3, prise, prise. Je menace de prendre en E3. C'est hyper tentant. Je vais tenter, mais je suis pas du tout sûr de ce que ça vaut. J'envoie tout cette partie. J'avais peut-être tour B8 en fait. Tour B8, dame C2, non, ça faisait pas grand-chose. J'ai vu cette variante, mais il y a tour E1. Il y a tour E1 à la fin. Raté tour E1. Ça, je pensais que je l'ai attaqué. J'ai peut-être lâché un peu trop de pions quand même dans
dans le scénario là. C'était peut-être un peu ambitieux de ma part. Mais en blitz, on sait jamais, c'est tellement la foire. Prise prise B2, fou F3, ça va pas. Fou H6, ça va pas. Y'a rien qui va en fait. J'ai pas une bonne position. Je suis enflammé. Je sais aller, je pense, mon truc. Là, ça va pas du tout. On va tenter des tricks. On va mettre le fou là. Empêcher ça sur E4. Ah mais j'ai rien du tout, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Peut-être sur Dame prend, j'ai cavalier D3, cavalier E6, cavalier prend 1. Le problème c'est qu'il voit des trucs, hein. Je peux pas le tricker facilement. Cavalier G4. Cavalier G4. Cavalier E6, Dame D5. Il va bien tomber dans un panneau. Tour E2, tour F2. Ou cavalier prend même. Plus simple. Plus radical. C'est peut-être pas si clair hein, en fait. Peut-être que. Cavalier F3, cavalier prend, ça va. Dame E2, je vais prendre. Dame là, j'ai vu. Et je voulais jouer quoi déjà? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est terrible. C'est terrible, je me rappelle plus de ce que j'avais prévu comme coup. Ah. Le moment où faut flag. Tour F7, dame D8. Ah, qu'est-ce que je fais? Je craque complet quoi. Je fais non, tactiquement je suis au bois. N'importe quoi. Bien joué. J'avais prévu un truc sur ça, c'était bizarre. Tiens, moi j'ai un truc classique. On va mettre le cavalier en G3. On va mettre le fou là. On va mettre la dame là. Et on va mater direct. Prends pas la tête, hein. Là c'est fini les. Fini d'être gentil. Il a vraiment pris, hein. C'est incroyable. Complètement fou en fait. Il est inconscient cet homme. E5, je l'oblige à. Il peut prendre. C'est la tuile, ça. Tour E3. On ramène la tour. Faut pas être mauvaise. Hein. Cavalier F4, dame G4. Ou même tout. Là, peut-être que je menace E5. Prendrai tour prend. Peut-être pas encore. Mais même, je peux jouer cavalier G5. J'ai des. Du fou G5, même. Dame G4. Parti. Et la dame F4. Prise. Et tour G3. Ça, j'avais prévu ça. Cavalier E5. Tour prend et tour. Cavalier E5, c'est la. Cavalier E5, c'est la tuile en fait. Tour G3 ou tour H3, je peux jouer aussi. Avec l'idée qu'elle prend H7. J'y crois pas que j'ai rien dans cette position, c'est pas possible. Tour H3 qui a valu E5, là j'ai dame G3. S'il prend C3, qu'elle prend H7. Et s'il fait ça, je voulais jouer ça. Avec des idées sales. Du Sky prend H7 qui risque de faire mal quand même. Je vais pas rater toutes mes attaques, c'est pas possible.
C'est lamentable. S'il joue un coup de dame à 5, là j'ai pas de 5 là ou un truc. Ça sert peut-être à rien de lui voir le fou. Prise H7, ça a l'air sympa déjà, comme début. Tour B1, gagne un temps. Après, je vais rapatrier le fou, je vais commencer peut-être à menacer des trucs. Du style. Là, je fais quoi? Je fais KG5. Ou je fais. KG5 et KF4, ça passe pas. Bon, je vais jouer ça. Pire, je ramène le cavalier là. Dame F3. Peut-être jouer A4. Ah, A4, fou C6. Peut-être jouer tour F3, le retour. Mais fou F6. Tour G3 peut-être. Menacer des trucs. Il faut que j'arrive à faire une menace, quoi. C'est pas possible. Dame F3. Là, si je prends. Qu'est-ce qu'il me faire? Parce que là, j'ai Roi H2 maintenant. Ah, mais il a Dame là. Ok, c'est pas si simple. Je joue Dame F3. Sur Dame F6. C'est pas possible, hein. C'est incroyable ce que je fais. J'arrive pas à mener une attaque. Le pire attaquant. J'espère cette partie, ça va être le tilt. Fou prend, prise, fou G5, fou D2. Comment j'attaque? Je peux pas prendre ça déjà. Au moins j'ai un pion de plus. Quitte à pas savoir attaquer, autant prendre les pions. Fou la fou G5. Elle va où ta dame? C'est bien ce qui me semblait. Elle va où encore? C'est bien ce qui me semble. Oh putain! Il peut prendre comme ça! Oh l'horreur! Pardon pour le gros mot. C'était pas intentionnel. J'ai perdu mes moyens après ce coup, mais incroyable, quoi. Ce coup de Trafalgar. C'est pas possible, c'est incroyable. Perdre ça, c'est fou. En V8 en primo, n'importe quoi. Je suis pas réveillé. Bon. C'est incroyable, hein. Tout ce que je gâche. Comme position. Je sais pas ce que je fais. Faut que je rentre dedans. J'ose plus. Je suis apeuré. Là j'ai fou G4 quand même. Je vais bien finir par mater une partie. Ah, il faudrait un temps mort, hein. Allez. C'est laquelle qui part? Non, crois-moi, à 5-5, je joue pas les prix des vidéos là. Je sais pas, j'essaie de bien jouer, j'arrive pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il me fait en plus, c'est fou. Allez quoi. Petite partie, on va essayer de gagner une partie propre. Je suis sûr que je peux le faire. J'en suis convaincu. Je vais cavalier E5. Ça m'attaque ma tour, mais en soum-soum. Finalement, j'ai peur de blunder toutes mes pièces. Donc là, il va falloir lâcher les chevaux.
Celle-là, quand même, si je la gagne pas, c'est grave. Vraiment, c'est grave. H4. Pas prendre C2, je vais même pas laisser de tour D8. À prendre. C'est pas possible. Ah, je suis aveugle. Je suis aveugle. C'est terrible. Non, mais je le vois en plus. Je le dis. Ah, mais là, c'est grave. Mais c'est grave. Oh là là, j'ai jamais joué comme ça. J'ai jamais joué comme ça. C'est fou. Mon Dieu. Mon grand Dieu. Aidez-moi, mon Dieu. Continuer quand même, hein. Ah, mais je donne tout, mais je ne vois rien. Je ne vois rien, c'est fou. Incroyable. Ouais, voilà. Pff, voilà. La totale. La totale. Bon. Wake up. Je me suis pris 6-1 là dans les dernières. Ok. Allez, je blunder tout. C'est pas possible. Le match, c'est le match. Le match d'une vie. Allez. Allez, mon Dieu. Pitié. Une bonne partie. On va bouger B4, peut-être. Fou E3. Fou E3. Ah, on s'en fout de la découverte. On a dame A3. Je rigole. C'est une blague. Est-ce que c'est grave s'il prend? Je pense pas. On a vu pire. J'ai fait pire hein, dans ce. J'y crois plus là. Faut que je me remobilise. Tour C6, tiens. Peut-être pas bête ça. Je peux pas prendre là? C'est pas mal de prendre. Pas vu. Tour D1, ouais, bon bah Dame C4 peut-être, petite finale. La petite finale, elle est pas bonne celle-là. Elle est pas bonne. Y a rien de bon, rien de bon, rien de bon. C'est fou, c'est juste fou. Jouer comme ça, c'est terrible. Il y a combien? Il y a 7-5? Ouais, trop de foire mousse. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je reviens. S'il veut de la nulle, je la prends pas. On va se battre. Il la veut pas, je me fais humilier. Je sais pas si c'était un bon choix de sa part. Je vais avoir du jeu là quand même. Il va arriver en A3. Alors quand il arrivera en A3, est-ce que je pourrais saquer? Alors je joue tour C5, j'essaie de bloquer le pion, tour C4. Non mais je peux pas jouer petit bras comme ça. Là faut que je joue ça et que je prenne, il prend, je prends, dame C4. Voilà, j'ai rien du tout. Je peux mettre le cavalier en C4. Ouais. C'est malheureux. Menace. Le cavalier B6. Il a vu. On va essayer d'arrêter le pion. Là, j'aime bien. Je pense que je vais menacer dame E4 en hein, petite finale. Et il veut jouer tour E8. Est-ce que ça marche tour E8? Prise dame prend, voilà, échec, échec. Ça a l'air d'être nul au moins. Et si je prends et que je joue dame D1, est-ce qu'il a ça? Non, il a pas ça. Par contre, il a quoi? Et si je joue dame E4 en fait, fou F8, qu'elle les prend. On va jouer safe. Petite finale. Pour toi, Lolo.
plus de tour 8. Je le bannis ses tours 8 là, il m'a énervé. Il a pas de tour à 8, il a pas de tour à 6, il a pas de fou F8. Enfin, fou F8 il peut. Mais... Fou F8 il peut. Et ouais, il le fait. Prise dame A5. Je vais encore filer une pièce, hein, je le sens. Dame A5, dame E5. Ah, ça file pas de pièce quand même. Dame E5, tour D5, tour A6. Et si je joue dame E5, et si je joue cavalier E5, dame F5. Ça... Bon, allez, c'est parti. Et dame B7 aussi peut-être. Dame B7 c'est du solide. Sur dame A5. Hop. Tactique. C'est reparti. Et là on va tripler la triplette allemande. Voilà. Elle fait mal celle-là. Dame prend D3, les cases d'échecs sont couvertes. Je pense que c'est mat là. Là s'il me sauve celle-là. Bah je sais pas. Je sais pas ce que je fais. J'étais quand même gagnant les deux dernières. Voir les trois dernières. C'est incroyable. Échec. Échec et mat. Char et mat. Allez, on va mettre 6. On revient. On revient dans le match. Allez hop. Allez direct. Ça m'agresse quoi. Allez. Une Scandinave un peu étrange. Un peu étrange. Pas trop ce que ça vaut. À qui profite le crime? À moi quand même. Ça doit pas trop aider. Mon fou G7 qui est déjà bien placé. Sur ça, fou prend, c'est de l'eau. L'air d'être de l'eau. Allez, je sais pas trop, je sais pas. Je sens que ça va. Je sens que ça va. Je menace quand même fou F5. Ou cavalier prend. Sur ça, je vais même pas. Je le calcule pas. Premier 8-8 en vue. Non. Attends. J'essaye de. Je vais essayer de la jouer fino. Ah non, je peux pas. Quelle folie quoi, je ne vois rien. Bon bah je prends là. On se rabat sur ce pauvre petit pion qui avait rien demandé en plus. Vraiment. Ah oui, il y a Armageddon en cas de 8,5, ça peut être sympa. Petit Armageddon. Je prendrai les blancs. Je pense. Ah, c'est point d'écart. Super. Pion prend. Avec du fou A6 en vue. Tour H4, tu vas me jouer, je le connais. Et tour H4, fou G4, je pense. Moi, je vais fou A6, fou E2. Fou prend cette pièce-là, j'ai oublié le nom. Dame E5, il y avait fou E3. Malheureusement. Ça. Prise. Cavalier prend. Fou prend C2. Ça va pas. Grand roc. C'est rigolo, mais c'est pas terrible. Petit roc, c'est pas rigolo et c'est pas terrible. Je joue ça. Je joue ça tristement. Mais là, dame 1, c'est pas si clair. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que là, il y a du. Tour H3, cavalier D5 encore. Ça me sauve. Sinon, tour E3, ça faisait mal. La fou G7. J'ai pas du cavalier F4 à un moment quand même dans cette vie. Je peux pas essayer de mater. Ou alors je joue fou G4 quoi. Ouais, je joue fou G4 et j'essaie d'échanger les dames lâchement. Ça m'a l'air lâche. Ok. J'accepte ton échange. Ton offre d'échange. Ça je. Oup, boum. C'est deux en l'air. Là, je vais l'enfermer avec F6. Ça va être jouissif. Ah, mais en fait, il va me jouer tour E3. Ah non. Ouf. Tout va bien.
Tout va bien. Tout est contrôlé. Parfait. Hop. Et on va s'en sortir petit à petit. C'est un travail d'orfèvre. Il a cru que j'étais né de la dernière pluie, hein, je crois. Marc, c'est pas si simple, hein. Là, il va falloir que je joue fou F5, je pense. Prise, prise. Pion prend. Mais c'est pas clair, en fait. C'est pas clair du tout. C'est F5, j'ai peur de me prendre un cavalier E5 à un moment. Je pourrais pas le tolérer, ça. J'ai aucune envie de le tolérer, d'ailleurs. Ok, mais là, si je prends. Prise. Ah, il veut me jouer tour 1. C'est vraiment vicieux, hein. Mais dans ce sens-là, je pense que c'est pas mal pour moi. La finale, évidemment, n'est pas envisageable pour lui. Alors, Kg G5. Je l'ai vu en plus. Oh, mais c'est ridicule. Hein. J'ai l'impression de faire exprès, quoi. Je vous jure que je fais pas exprès. J'ai envie de gagner ce match. Ce match. Petite finale, Lolo, elle est pour toi. Je te la dédie. Oup. 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 Ah, il va pas pouvoir tout arrêter là. Non, non, non. Allez, on revient. Là, ça va mieux là. Je sens que c'est. On vient dans le match. Allez. Ok. J'accepte. Je vais lui mettre le cavalier en G5, comme d'hab. Et là, il a pas A6 B5. Là, je vais lui mettre fou C4 direct. Ok. Il bloque. Logique. Make sense. Ok. Ouais, mais là, à d'autres. À d'autres. Prise pion prend, déjà, c'est ça ressemble à un truc pas mal pour moi. Mais cavalier là, pion prend, pion prend. Allez, on va jouer ça, pion prend. Là, je vais prendre de je sais pas quoi, on verra. Cavalier prend probablement. Avec du jeu. On va aller, je vais jouer un peu comme tout à l'heure, mais je sais pas si c'est une. Je sais pas si c'est bien. J'ignore. Surprise, je pense qu'il peut pas. Il peut peut-être en fait. Peut-être jouer un peu vite. Je prise, prise. Ah, il a pas fait. J'étais un peu en bluff, hein. Je vous dis la vérité. Pion prend, cavalier prend. Comment je fais là? Comment ça se passe? À qui? G4, je vais pas jouer C3 quand même. C3, pion prend, pion prend, je vais me prendre du E5. Pion prend, pion prend, pion prend. Pion prend, pion prend, pion prend. Pas terrible, hein. Pas terrible ce que je fais. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je sais pas ce que je vais faire. Je vais jouer vite en espérant que ça se passe bien pour moi, mais. Objectivement, j'aime pas ce que je fais. Là, je lui ouvre la colonne en plus. Je suis un frère. Je suis vraiment un frère. Je lui simplifie la tâche. G4, je crois que je pourrais jamais mater, même s'il me donne 1000 coups. Je vais jouer ça et puis on va prier quoi. On va prier. On va prier fort. Je suis vraiment un gros taré. Ah, il a dame là et dame C3 après. Oh là 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 là, il peut jouer cavalier E5. Mais non, cavalier E5, non, ça va. Ça. Est-ce que je suis mat? Je pense pas. C'est pas impossible, hein, vu mon niveau de jeu. Ok.
Putain, je peux aller en D2 ou pas? Je tente le casse du siècle. Je me casse avec l'argent. Celui-là, là, ici, c'était le cimetière. C'était le gros cimetière. Ok. Mais alors, là, ça va, là, du coup. Je prends du pion. Ça va? On a vu pire. Hein. On a vraiment vu pire, en plus. Vous y croyez si je vous dis que... C'est le retour de bâton? Et ouais. Le retour du bâton. Ça, avec sa dame au bois, j'ai bien envie de le faire payer. Puis on prend? Ça c'est bien joué. J'aurais dû jouer 5 en fait. Quel débile. Attends, et si je prends? Puis on prend fou F6? Je sais pas, je tente. Il peut prendre en fait. Il peut prendre, il a D3. Je suis con alors. Ah, quelle nullité, c'est pas possible. Ok. Ça joue, ça joue, ça joue. Non, ça joue pas du tout en fait. Allez, ça joue. Je parle plus, hein. Je parle plus. Je lui colle. Oh non! Mais qu'est-ce que je fais? Mais... Oh! Il peut pas passer là avec ses pièces. Ah mais non, mais je suis mat, mais je vois rien, je vois rien. Oh l'enfer, 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 l'enfer. Bon, obligé de gagner, must win. Ouais. Hop. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est ridicule. Rematch? Il est passé où? Must win avec les noirs. Bah ouais, on va perdre au premier tour. Ouais. Bon, ouais, trop mal joué. Ouais, il reste une partie. Ouais. Je suis où? Allez, corporate. Ah, mais faudrait qu'il accepte. Il n'a pas gagné encore. Va falloir qu'il se batte jusqu'au bout. Pas après tout ce que j'ai fait. Hein. Ouais, j'ai challengé en 3 minutes avec les noirs. Par contre, il est parti. Ah, il croit qu'il a gagné. S'il est parti, je prends le point. Ah, il a quitté. Allez, c'est bon, on gagne comme ça. Non mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah bah le voilà. Il était où? On va lui faire payer le...
L'attente. J'essaie de me concentrer. Un peu de concentration, un peu de beau jeu, quoi. Là, y a rien, c'est du vide. Allez, en D7. Le dame C8. Je vais mettre pression. Pression sur pion. Comme on dit. Tour E8, on va jouer tranquille. C6. Dame C7. A5. Ok, là si je fais D5. Ouais, faut y aller. Hein. Là, de toute façon, il n'y a plus le choix. Hein. On va pas faire marche arrière maintenant. Hein. Fou prend. Je peux prendre du cavalier, je vais prendre deux cavaliers. Pour prendre en C3. Là, s'il prend comme ça, je vais prendre comme ça. Bon, là, envoyer en overtime. On va pas se laisser faire comme ça. Hein. On est pas venu là pour souffrir. Hein. Ça tient son truc? Ça m'a l'air douteux. Il m'a l'air douteux. Ça pue pour notre adversaire là. Mais il se bat comme un diable hein, à chaque fois. Là, si on peut pas lui enlever ça. On va pas lui enlever ça d'ailleurs. Faut que j'arrête de donner toutes mes le nombre de trucs que je donne, c'est incroyable. Je suis pas comme ça normalement. Je suis pas si généreux. Hein. Là, c'est vraiment de la générosité, mais pour rien. Faut pas être généreux comme ça. Pas. Fou prend. Je prends comment? Du pion. Là, par contre, il n'y a pas de question. Pion prend, ouais, ok. Ouais, il met ses petits pièges là, ses petites tricks. Et j'en ai 2-3 sous l'aile aussi. J'ai un pion A qui est passé et qui peut faire mal potentiellement. On va espérer qu'il fasse mal. Ok, alors prise A5, ça donne B5. Prise, 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 prise. Je vais tenter ça, sans être convaincu de mes efforts. C'est ce pion-là, faut qu'il fasse la diff. Il a une bonne blocade, il a un bon fou. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai dû encore rater un truc. Que je rate tout. Ouais, mais alors ça, j'étais prêt à faire ce sacrifice. Hein, clairement. C2 et Dame B1. Ça a l'air de raser. On va l'emmener en overtime. Là, c'est presque du sûr. Presque du sûr. Fou F8. Fou F8. Dame C1 encore. Dame C3 encore, pardon. Prise et ça. Comment je le termine? Fou B4. Fou B4 quand même, ça a l'air de faire mal. Et sur Dame D4, on fait fou C5, on le cloue. Tout simplement. Dame 1, je prends. Je prends. Je fais fou D2. Et là, normalement, mon Dieu. C'est overtime. Donc ça se passe comment là? Ça se passe comment? C'est deux points d'écart, c'est ça? Point d'écart. Overtime, j'enlève le bouton. Ah, Firouja, man. Alors attends, je sais pas. C'est bon. Vas-y. Alors,
J'arrive. Alors, je sais pas. Je demande, hein, parce que je suis pas sûr. Si je gagne, j'enlève tout. Superbe. Bon, allez, on se... c'est bon, c'est bon. Bon, allez, main cerveau pour le Vartaillon. On va voir, je demande exactement hein, s'il y a deux parties en plus ou pas. Ah, ce serait deux parties en plus? Et je pense, sinon c'est pas juste. En fait, je viens de réfléchir, je pensais que c'était une par une, mais en fait, c'est débile une par une. C'est premier à 9,5, ouais, c'est sûr. Ah, c'est premier à 9,5 maintenant. D'accord, et s'il y a 9,9, premier à 10,5. Une partie de plus, si c'est nul, two more games. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, si, ça, c'est possible. Oui, ce serait plus logique d'ailleurs. Mais non, il y a bah, si, 16 parties. Il faut que quelqu'un ait les blancs. Mais on... Ah, c'est que 16 parties, d'accord. Je crois que... okay. Là, je sais pas alors. Oui, deux parties en plus. Deux parties en plus, premier à 9,5. S'il y a 9 partout, re deux parties. S'il y a 10 partout, je reviens. Normalement, ça passe aux boulettes. Oh, ouais, je veux jouer en bullet, moi. Alors, ah, je veux du bullet. Alors, je vais tout faire pour, partir en bullet. Ouais, je vais. Mais t'as vu comment je joue? C'est ridicule. Allez, je prends les blancs. Je le défie. Qu'est-ce qu'on joue? E4. Oh putain, A6. Oh là là. Pression. Pression maximum sur mes épaules. Hein. Je me prends. Je me prends ça. Mais en fait, c'est pas si, c'est peut-être pas si débile. Comment je réfute ça? Allez, on réfute pas, on va jouer. On va jouer aux échecs, on va pas réfuter. De toute façon, je vais pas réfuter. Fou E3 après, ça, E5, ça, H4, fou G5. Comment je joue? Fou G5 et fou E3 peut-être. Pas sensationnel, mais bon. C'est déjà ça. A4. Est-ce que c'est bien A4? Quai D5, pion prend, ça. Tour E1. J'ai du jeu quand même. J'ai du jeu. Mais est-ce qu'il est obligé de prendre? Il peut jouer dame D6 aussi. B4, fou franc. Bon, je sais pas ce que je fais là. C'est, je commence à prendre du temps, à prendre 10 plombs. C'est pas bon. G3, KH4. Je peux jouer KH4 ou 5. Dame D2. Bon, je sais pas. J'en sais rien. Oui, vite. Bah oui, mais j'arrive. J'arrive. Ah, si je perds sur A6, c'est moche. Je m'en voudrais. Ce serait pas corporate ça. Je sens que ça va te prier. Ok, bon, j'envoie la prise. Hein. Jouer ça, et KG4, fou F4. Faut prendre un prend, prise. Je sens que ça. Dame B6, hein. Ok. On va feinter la. Feinter que je l'ai pas vu. Ok. Fou B4, cavalier prend, prise. Non. Fou B4, ça peut être chiant. J'ai pas envie de me faire clouer comme ça. Pas après tout ça, pas après tout ce qu'on a fait. S'il me cloue, je le cloue. À porte de 5 clous. C'est chaud ce match. Fou D6, qui ne le jouera jamais, j'ai fou prend B5. Ça, j'avais prévu ça et ça, ce qui est pas. C'est pas sensationnel, mais. Ça casse pas trois pattes, hein. Canard. Laqué. Ramener le cavale. Il est du fou D4. J'aime pas du tout ma pose. Prise. Ok. Je comprends pas trop son choix, là. De jouer ça. Ça m'a l'air douteux. Bon, évidemment, il est pas moins bien, mais. Est-ce qu'il y avait besoin de jouer comme ça? Je ne sais pas. Là, je peux prendre. Je peux jouer fou D2 aussi. Fou D2, peut-être c'est mieux. On va venir là comme ça. Protéger latéralement. Ah.
Ok, ça va? Ok. Franchement, là, je commence à être bien. Je sens que je commence à être bien. Juste pas que je me prenne de D5. Là, je menace B4, qui peut faire mal. B4, il a pas vu. Il a pas vu. Celle-là, elle fait mal. Elle fait mal au moral et elle fait mal. Bon, après tout ce que j'ai vécu, je vais pas m'enflammer, hein. Après tout ce que j'ai blunder. Je vais pas m'avancer. Je joue F4. Cavalier F3, je prends. Il s'est défendu. Il craque. Mentalement, il craque. Il est pas bien. Il est pas bien. Je me concentre quand même pour pas la rater celle-là parce que si je la rate, je m'en voudrais beaucoup. Ce qu'on appelle une inratable seulement. Allez! Faut juste pas la perdre. Je vais me mettre un œuf. Qui veut un œuf? Un bœuf. Hop. B4, il me rejoue la même. Je vais lui jouer la même. Je vais lui jouer ça. Ça m'a porté bonheur. Là, je viens là. Surtout. Avec D6, je crois que je suis déjà bien. Je crois que je crois que j'ai déjà un petit avantage. Je vais jouer ça, je vais essayer de jouer vite. Dans l'idée, il faudrait jouer vite et bien. Essayer de jouer que vite. Défaut de jouer bien. Ok, mais ça c'est très bien pour moi. J'ai juste à faire nul, hein. Faut que je j'ai juste à faire nul, c'est ça? Confirmez-moi s'il vous plaît que je déconne pas. Nul suffit, hein. Ok. Allez, vamos. Vamos. Eh oui, là, il se rend compte que il a déconné. Il a toujours un pion passé. Non, c'est pas gagnant, mais bon, je suis quand même favori pour tenir ma draw. On va essayer de s'activer. Tour B8. Faut pas jouer trop passif non plus. Tour A5. Peut-être jouer Dame F5 ou C5. Là, C5, comment il fait? Il va où? Il va là. C'est peut-être pas génial. Peut-être Tour A4. Ouais, c'était pas terrible mon coup. C'était pas terrible ce que j'ai fait. J'aurais dû jouer mon C5, c'était mieux. Je vais jouer H6, hein. Je vais pas faire le héros là. Je joue ça pour simplifier parce que je vais jouer C5 après. Et je vois pas comment je pourrais perdre cette partie. Enfin, j'ai déjà dit ça 3 fois, mais. Ok, donc il prend pas. Je reviens. Je vais essayer de l'embrouiller comme ça. Je vais jouer Dame D2. Ok, logique, logique. Dame F5. E6, il y a la tour A1 qui traîne. Cavalier là, Dame F4. Prise, ça, non, ok. Prise E6. Ok, je vais jouer ça quand même. Faut jouer vite, faut que je joue vite. Faut que j'arrête de déconner. Il a pas pris. Fou F8 après. Putain, mais. Je voulais pas.
Je voulais pas jouer ça, je voulais lâcher. Oh là là, c'est pas possible, non mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Oh là là là, mais c'est pas possible. C'était fini quoi. Le match était fini. Ah, il peut juste prendre. Ouais. Je peux pas tenter un pat? Je vais tenter un pat. Ouais, je trouverai pas de patte. Non, mais c'est horrible. Ah, mais j'ai donné combien de tours et de dames comme ça? C'est incroyable. Bon, bah allez, c'est reparti, hein. Pas très corporé ça, hein. Mais si je perds ce match, je m'en voudrais quand même. Parce que là, après tout ce que j'ai fait. Après tout ce que j'ai fait. Tous les efforts pour revenir. Je sais pas comment jouer ça. Je sais pas du tout. Je pense que j'ai juste, je suis pas, j'ai rien de, j'ai absolument rien. Par contre, m'ouvrir comme ça m'a l'air gentil. Alors je veux bien que tu m'ouvres en tout bien, tout honneur. Je vais jouer F4. Je vais jouer F4 et voir ce que ça donne. Ou prendre et jouer F4. Jouer F4 tout de suite. J'ai quand même du jeu là. Bien fini, ça va bien finir par rentrer. Fou France et F5. Tout droit. Non mais c'est pas possible. Il veut jouer ça. S'il prend dame H6, dame E4, voilà, dame prend H6 c'est mat, ça. Je pense que je prends ce pion là. Avec dame 3, t'as que 6. Même jeu dame F5, dame G3, et ça va être l'abandon. Et non. Il défend, mais comme un diable à chaque fois. Hein. C'est incroyable. Tour prend. Attends, prise, tour prend, tour là, ça a l'air de gagner quand même. Ça a l'air de gagner. J'ai l'air favori pour gagner cette partie quand même. Là.
Ça rend parano ce match. Tu as l'impression que. Ah, là, j'ai vu... là j'avais vu ça. Second poteau pavard. Avec un mat. Allez! Balle de match. Voilà, t'as perdu déjà. T'as tout perdu. Ah non, c'est pas ce que je voulais mettre, mais pas grave. Allez. Espérons que ce soit la der. La marque à der. Oula, j'ai failli jouer fou G7 déjà. il va finir par croire que je fais exprès si je joue comme ça. Ça, ok, ouais. On va mettre le fou en E4 plutôt. Elle a bien. C'est stressant ce match. Vraiment stressant. Je voulais jouer cavalier là, mais je sais pas pourquoi j'ai joué comme ça. Encore une fois. Encore une fois, c'est bête. Parce que du coup, maintenant, il joue dame B1. C'est ridicule. Je joue B6, mais alors B6. J'étais bien. Là. Qu'est-ce que je fais avec mes pièces? C'est pas la bonne nouvelle, ça. Ok, il va falloir trouver de la magie là. Falloir trouver de la magie dans l'air. Ah mais là, je peux pas jouer ça, je peux pas jouer ça, je peux pas jouer ça. Je peux jouer K3, B5 ça, Dame A7 ça. Dame C8 prise. C'est moche, mais c'est moche, moche, moche. C'est vraiment ignoble. C'est même pas moche là, c'est. Bon allez. C'est dans la tête. Bon, je me concentre, j'arrête de parler un petit peu. Ce qui est du complètement hors principe du truc, donc je vais parler en fait. Cavalier prend ça, ça marche pas. Cavalier E8, prise, prise. Faut que j'accélère. Faut que j'accélère à fond la caisse. À fond la caisse claire. Oh là là, mais c'est ignoble, j'ai rien. Je crois que ces pions sont un peu plus forts que les miens, mais je suis pas sûr. C'est une blague. C'est enflammé là, non? Je tente ça, parce que je vois pas de. Ah non, mais il peut prendre en D6. Oh là là, mais n'importe quoi, mais quel aveugle je suis! C'est affolant ce blitz que je fais quoi.
Bah, je suis juste maths maintenant. Bah oui, non, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, mais c'est pas possible. Bulette. Donc, c'est ça, c'est du bullet maintenant? J'en peux plus, quoi. Non, j'en peux plus. Attends, alors, attends, tuez-moi. attends. Second poteau, pas mal. C'est un peu fort. Attends, je vais baisser les jingles. Tu vois, si tu veux mettre un ah, jingle, c'est au plaisir. Je vais le baisser un petit peu. Tu vois. Non, hop, mais je pense que ça va être beaucoup mieux. Ouais. J'ai juste besoin d'une nuit, je fais 3.3. Ouais, c'est un peu dommage. Attends, on va essayer comme ça. Et après, j'essaierai de. Bon, écoute, donc. Ouais. Donc, du bullet, combien de parties? Tu le mets, tu challenges à une minute, c'est. Combien de parties? Oui, deux parties et puis. Deux parties de bullet. Non, mais s'il y a un partout, c'est jusqu'au bout de la nuit. Ok, hein. Ok, allez, c'est bon, on va rire. Ça peut bon, allez. 3 heures. Par contre, est-ce que c'est possible de reculer un peu ça? Non? Hein? C'est possible de reculer. Parce que je suis pas bien en fait depuis le début là, je me prends ça. Bah, change la souris, je comprends pas. Mais attends, je te décale le micro. Ouais, voilà, ok, parfait. Oui, je vous ai pas. Hein. Ah ouais, d'accord. Parce que je me prenais le. Parce que là, je suis un peu court sur le cam. Ok. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Bon, allez. Bullet, c'est le moment de. C'est le moment de bien jouer. Hein. Je dis ça depuis 20 parties. Au moins, c'est spectacle. Au moment où on rigole. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah. Nul. Mais joue vite. Mais. Vilain! Ouais, hein. Tant pis. Je suis foutu, quoi. C'est incroyable. Je vais perdre ce match. J'y crois pas. Oh, mais vous. Allez, abandonne. Le vois pas. Oh. Miracle. Miracle d'une vie. Je vais le faire tomber, hein. Je m'en fous. Balle de match! On l'a sauvé. Le pire match de l'année. Le pire match de l'histoire des matchs de tout sport confondu, je pense. Oh non, mais qu'est-ce que je. Mais c'est pas possible, le nombre de misclics. Oh. Je perds toutes mes parties sur des erreurs, quoi. Je voulais pas lâcher. J'ai pas perdu encore, hein. C'est du bullet. On va se battre. C'est écœurant de perdre toutes ces parties comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai perdu hein, encore.
Non, mais j'en peux plus de ces vies. Tuez-moi! Ouais, non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est reparti pour un tour. Je crois qu'on s'aime bien en fait. On va pas se lâcher. Ah, putain, je suis pas à l'aise, hein. Je joue ça parce que j'ai peur de me prendre du dame E5. Ah, je vais perdre encore. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? C'est incroyable de jouer comme ça. C'est fou quoi. Il peut prendre, mais c'est. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai rien à dire. Allez, dernière. Sauf si je la gagne, bien sûr. Il a 12. Dame prend F3. Oh mais oui, j'ai sûrement raté 10 000 trucs. Ouais. On prend F3 à quel moment? Je pouvais vraiment prendre F3? Bon allez, parti. C'est pas possible, c'est délirant quand même. Jamais joué comme ça. J'en peux plus. Allez, je peux plus jouer. C'est trop. C'est trop d'émotions. Vraiment, je peux plus. C'est fou, mais c'est honteux en fait. Non mais qu'il y avait les B6 maintenant, non mais c'est fou, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, sur quelle planète on vit? Faut que je joue vite en fait. C'est fou quand même. On va mettre là. Oh! Allez! Vamos! Encore deux! On va pas se lâcher, hein. J'espère que vous êtes prêts pour la nuit. On joue toute la nuit. On va jouer ça comme ça, hein. On va se la jouer à la cool. Ok. Make sense. Je vais jouer F5 maintenant. Non. Prise et ça. S'il prend aussi, je prends C5.
J'ai l'ambition de jouer ça, de mettre un cavalier là et de poser des problèmes. Est-ce que c'est légitime? Je crois que c'est légitime. Tour 8, possible. Tour 8, possible. Ouais. Allez, on y va. Vamos. Ah mais je regarde pas du tout le temps en fait. C'est vrai qu'il y a du temps, c'est du bullet. Allez! Ah, du coup, je passe à 13 parce que j'ai oublié de me mettre le point d'avant. Vamos! C'est fini? Il y a 13-12, Oui, 13-12. je sais. T'as pas mis le score. J'ai mis. D'accord. Merde, c'est pas bon ça. Je sais pas, je vais me prendre un truc là. Oh non, mais non, mais t'as un problème, mais non! Mais c'est une blague! Mais c'est pas possible! Mais comment je me prends ça? J'ai une position de rêve quand même. Non, mais c'est pas possible, c'est une blague en fait. Mais j'y crois pas, mais j'y crois pas en fait. Juste là, c'est le nombre de positions. Toutes mes positions que j'ai des balles de match, je dois les gagner en fait. Allez. Quoi ce truc? C'est réglementaire ça? Le 4 fou prend qu'il y a des 5, j'ai pas un truc là? Fou des 5? Fou des 5 ça doit être solide. Je vais prendre de la dame, j'en peux plus. Trop de pression. Tour 3. Ah, il va me faire ça, je vais faire dame F1. Il y a trop d'attaques. Il y a trop de jeu quand même. Ça, il a pas tour D8 cette fois. Il a cavalier H3, roi F1. Ça, tour A3, on défend latéralement. Oh là, je défends latéralement, mais ça pue du cul. Pardon. Non mais je vais sur la seule case où je me prends une fourchette. Pas possible. Voilà, faut que je joue vite. Allez, ça gagne ça, ça gagne, ça gagne, ça gagne. Ah! Et l'auto-queen! Allez, balle de match. J'en peux plus. Ah mais j'en peux plus là, c'est pas possible. Faut que ça s'arrête.
Allez, vas-y. Ok, t'as gagné. Oh là 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 là, je vais encore me la prendre, c'est sûr. Poubelle. Poubelle atomique. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lui faire des échecs alors que les mecs ils me matent. Oh non! C'est la fin! C'est la fin! C'est la fin! Ça, j'ai bien défendu. Ok, je joue n'importe comment, mais au moins je me défends. Bien joué, Corporate. Corporate jusqu'au bout. Corporate, Au alors, moins on match a vibré au moins. extraordinaire. J'avais annoncé une victoire facile, écoute, je me suis pas Une trompé. formalité, une formalité. Une formalité lors de ce premier tour. Bon, bah pour Écoute, le. très bien joué. Franchement, alors là, il m'a épaté parce qu'il a été. Non, mais on jouait, je pense qu'on jouait. Non, 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 ça jouait pas si mal. Moi, j'ai vu plein de matchs. C'est pas facile de jouer en parlant, hein. Forcément, tu Oui, baisses oui. toujours un peu ton niveau. Eh, pour la prochaine fois, je te dirai, mais il faudra des ajustements. J'aimerais bien mon matériel et tout. T'aimeras ton Ouais, matériel? parce que là, la souris, je peux pas jouer vite. C'est un peu, c'est, je Ah fais trop bon? de misclic. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'appuyais sur les boutons à côté, ça lâchait. Ah ouais. Et j'ai fait un Bon, nombre moi de de. toute façon, ça s'est jamais joué à la souris. Hein. Donc, Non. enfin, je joue de toute façon lentement, donc Oui. j'ai l'impression qu'elle est bien cette souris. Mais ouais, d'accord, Non, ok. mais Mais c'est vrai que tu as c'est. l'air très très rapide. Elle est bien, mais j'étais pas On a vu adapté que à. t'étais bien meilleur quand même en bullet. Hein. Enfin, tu dominais, mais c'est vrai que tu faisais des gaffes. Oh, Mais t'as t'as vu fait un nombre de le points. nombre de tours de dame que j'ai donné, c'est incroyable. Ouais, 7 ou 8, je pense. Sur le. Alors, on va mettre le score à la fin. Hop, un petit 15. Vas-y. Voilà. Et bravo. Bravo, Jules. Bon, bah écoute, c'était un très beau match. Hein. Vraiment, Sans les il est bon. bédardiers. Il est bon, il est bon quand même. Il est très très bon. Moi, je Mais m'attendais pas du non, tout mais à ce qu'il soit à ce niveau. Ouais, non, tu m'as dit, ouais. mais il est 2670 en blitz, c'est rapide. Il est pas. 2670 en C'est quand même. rapide. Et donc, voilà. Donc, ça parle dans le chat. Voilà. Il y a eu beaucoup de supporters. T'as fait vibrer tout le monde. On sentait un bon petit tour de rodage, tu vois. C'est bon, maintenant non, t'es lancé non. là. Mais je t'avoue que je le sentais pas, j'étais crevé. Ouais. Et donc au prochain tour, t'as probablement Duda. Ouais, Donc alors là, une offre de manche. va falloir mieux. Mais Une formalité. non, mais je vais pas mal, Une Grégoire. formalité. Non, vraiment, c'était un premier tour très difficile et t'as bien joué. Alors je rappelle, hier j'ai fait une erreur. J'ai fait pas qu'une certainement, mais en tout cas demain on a à 18h Romain Edouard face à Lucas Van Forest et il nous reste plein de Français. J'annonçais Mathieu Cornet, Adrien Demuth, mais il nous reste aussi évidemment le champion de France en titre, Maxime Lagarde, qui va jouer en Ah oui, novembre, et Étienne Bacro, Eh qui est oui. quand même, Il enfin joue quand, Étienne? les deux que j'avais oubliés, qui sont quand Ouais. même deux des meilleurs joueurs français. Étienne, il va jouer peut-être pas en Cap d'Agde ou en novembre, enfin suivez-nous comme d'habitude sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater. Ouais. Et on a Maxime aussi qui a un tour très abordable. Enfin, les deux, comme c'est fort Oui. faible au Elo, voilà, ils ont des tours normalement. Ouais, demain, 18h, c'est sûr, on a Romain face à Lucas Van Forest. Ne ratez pas ça, ça sera un très beau match. Ça va être dur de faire aussi bien qu'aujourd'hui quand même. On a eu
Un match magnifique. Bravo, Jules. Merci. Bravo, tu m'as, tu as sauvé ma réputation de pronostiqueur. Je crois, enfin, ta réputation, grand favori. Énorme favori. Ouais, ouais, du tournoi. Ben oui, t'es le grand favori du tournoi. Non. Écoute, non, les premiers tours comme ça, difficile, c'est mieux. Ça te met dans le bain. Oui. Ouais. Et c'est non, mieux en fait, pour la suite. J'ai gagné 3-0. Et il faisait des bluffs, des gaffes, pas possible. Je pensais qu'il y avait pas de match. Et je pensais qu'il y avait pas de match. Et en fait, il a commencé à. Il joue pas mal. Hein. Ouais. Il a fait des bonnes parties. En fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'il joue très vite. Ouais. Il joue plus parce que normalement, je suis pas censé. Ou alors, c'est le fait de parler. Mais en boulette, franchement, en boulette, ça se voyait que c'était pas. Oui, non, mais c'était pas les premières boulettes de sa vie. Oui. Clairement, très bon joueur. Très vraiment difficile. Bon, là, il a jamais joué en boulette. 2097, oui, effectivement. Ouais. Et, c'est pas son elo. Ouais. En tout cas, bravo, Jules. Donc, ce match, ouais, c'est vrai que vous avez tous les deux eu des périodes un peu. Incroyable. Ouais, tu perds 7-5 à un moment, je te voyais. 7-5, j'étais pas bien. Ouais, je te voyais pas revenir. Mais c'est incroyable. Je veux dire, j'ai des attaques de match, j'arrive pas à mater, c'est fou. Ouais. Non, mais 3, tu jouais mieux que lui, mais il était très, très robuste. Hein. Vraiment, un peu trop de gaffe, dommage. Mais il a très bien défendu. Par contre, clairement, je fais pas autant de gaffe que ça sur Internet. Je fais jamais de. C'est pas facile. Là, tu parles. Le fait de parler aussi fait que le niveau baisse. Hein. Ouais. Même pour Magnus, j'ai vu, il jouait bien, mais pas rien d'extraordinaire. Je pense que sans parler, il gagne plus que 9-3 contre Pitchot. Possible, ouais. Donc, après, l'autre parle aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, écoute, bon, mais merci pour ce spectacle. Je regarderai son live à lui. Voir Son live à lui, il y avait du bruit, c'était infernal. Apparemment, il avait une mauvaise connexion internet, c'est inécoutable. D'accord. Et donc, en tout cas, merci à tous. Beaucoup de monde dans le chat pour te soutenir. Ouais. Et donc, prochain tour, deuxième tour, donc en novembre, courant novembre, face à Duda pour toi. Donc, ça va être un très beau match. Ouais. Voilà. Et bravo, Jules. Merci. Merci à tous. Ça m'a vibré, hein. Alors, je lance un petit jingle, le au revoir de. Parce que je sais jamais comment conclure. Alors, je sais pas si ça a marché, j'ai baissé le son. Voilà. Est-ce que ça a marché ? J'espère bien. Attends. Au revoir. Normalement, ça a lancé le au revoir. Bon, au revoir. À bientôt. Ciao. À demain. À demain pour moi.